Cette semaine dans votre émission Ça va chez vous, nous partons découvrir les Salixiens. À quelques jours des fêtes de fin d'année, on se plonge dans la gourmandise du côté de Saulcy-sur-Meurthe avec Yannick Jagger au Colombier Salixien. Nous terminerons l'émission avec Valérie Thiel et la chocolaterie homonyme. Mais tout de suite, nous débutons avec vous, Jacques Jallet. Vous êtes le maire de la commune depuis 2008. Votre implication dans la vie communale date de bien plus longtemps. Vous avez toujours cette même motivation après près de 20 ans dans cette vie politique. Eh oui, oui, j'ai toujours cette même motivation. Vous savez, si vous restez dans la vie politique, il faut avoir une motivation. Voilà. Et ma motivation, c'est de faire avancer cette commune qui, en 2001, était en difficulté. Nous étions sous tutelle. Et puis, c'est réaménager cet espace-là où nous sommes, qui était un site industriel textile, une ancienne usine Boussac. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous à Saulcy? Oui, ça va, je pense. On a bien passé cette période de 2020 très compliquée. On a toujours été là pour écouter, à l'écoute et auprès de nos concitoyens. Non, Saulcy se porte bien. Saulcy se porte, je trouve, de mieux en mieux. Alors, vous le disiez, nous sommes sur le site d'une ancienne usine, un site qui a commencé à être réhabilité, qui va encore le continuer. Il y a plusieurs projets en cours. La caserne des pompiers a été refaite il y a quelques années et un pôle médical, le début du pôle médical. C'est un pôle médical privé. En fait, nous avons facilité la transplantation du cabinet médical qui était près de la mairie, ici. Et on va continuer à créer ce pôle médical, puisque j'ai eu une demande du pharmacien qui est au centre-village de venir ici. Et ce que je recherchais depuis des années, j'ai été contacté par une jeune femme qui est dentiste et qui va prochainement construire son cabinet dentaire ici. Après, nous avons effectivement la caserne des pompiers. Un peu plus loin, nous avons un cabinet de kiné. Et un peu plus loin, nous avons encore deux infirmières libérales. On va de ce fait créer un pôle médical. Il y avait ici un projet avec un investisseur privé pour faire un petit lotissement. On est en train de discuter pour changer ce projet en résidence senior au fond. Et puis l'autre partie, c'est la partie ludique, la partie verte, poumon vert, le long de la Meurthe. Laisser une grande bande verte le long de la Meurthe. Et là, on a un espace ludique. Continuer l'espace ludique avec à côté ici. Mettre un city park et un gros projet, mais ça fait depuis que je suis maire, je veux le réaliser, c'est créer une salle de sport. En Déodacie, on manque de salles de sport. Ce serait ici véritablement un lieu de vie très complet finalement, oui. Puisqu'avant c'était ici le centre de la ville, expliquez-moi. Alors le centre village était ici, était un peu plus bas, avec la mairie, les écoles et ça. Et comme ceci a été, comme Saint-Dié en fait, pour la même chose que Saint-Dié en 1944, a été détruit volontairement par les troupes nazies. Et le ministère de la reconstruction et de l'urbanisme, MRU, a eu un projet de reconstruire un centre-bourg l'autre côté de la Meurthe. Jacques Jallet, merci pour votre accueil ici à Saulcy-sur-Meurthe. Nous continuons notre découverte de la commune au Colombier Salixien. Il n'est pas forcément le plus prisé tout au long de l'année et pourtant à l'approche des fêtes, le pigeon est davantage convoité. Au Colombier Salixien, on le trouve sous différentes formes, entier, enfilé ou en terrine. Yannick Jäger nous ouvre aujourd'hui les portes de son colombier. Yannick, merci de nous accueillir ici à Saulcy-sur-Meurthe dans votre colombier. Alors expliquez-nous un petit peu, vous avez repris l'exploitation il y a quelques années maintenant, mais vous n'étiez pas du tout dans ce domaine. Non, à la base j'étais technico-commercial dans de la serrurerie et métallerie. Et puis j'ai eu envie de changer de vie, donc j'ai refait un an d'école pour avoir mon diplôme de responsable d'exploitation agricole. Et j'ai retrouvé cette ferme où l'ancien propriétaire partait en retraite. Et du coup, on a fait une transition avec lui et puis j'ai pu reprendre ici, quoi. Donc ça fait maintenant, je suis dans ma cinquième année d'installation. Et alors pourquoi avoir choisi le pigeon? C'était une volonté à la base? C'était pas du tout un choix. C'était à la base, j'ai fait mon école en chèvre. Donc c'est pas du tout la même chose. Mais c'est l'esprit petite ferme qui m'a intéressé ici et le produit d'exception qu'est le pigeon, quoi. Alors, on sait que le pigeon n'est pas forcément cuisiné, en tout cas par les particuliers, toute l'année. Est-ce qu'avec les fêtes de fin d'année, vous ressentez peut-être plus de demandes de la part des particuliers? Alors oui, les particuliers se manifestent un peu plus sur la fin d'année, quoi. C'est quand même un mets festif. C'est individuel, c'est une jolie présentation dans une assiette. Donc ça attire pour les fêtes, effectivement, quoi. Donc j'ai un petit peu plus de demandes à l'approche des fêtes, oui. Alors normalement, vous travaillez avec les restaurateurs, hein, habituellement une grosse partie de votre chiffre d'affaires est fait par les restaurateurs.
Depuis plusieurs mois, on sait hein, quelle est la situation. Vous avez été, j'imagine, très impacté. Comment vous vivez la situation? Comment vous vous en sortez aujourd'hui? Alors, c'est très difficile. Hein. 80-85% de mon chiffre d'affaires est fait par les restaurants. Donc là, actuellement, bah, ils sont tous fermés. Alors, il y en a quelques-uns qui font de l'emporter, mais bon, le pigeon s'y prête pas forcément. Il y a d'autres viandes qui s'y prêtent beaucoup mieux, quoi. Donc voilà. Et bah, du coup, on insiste un peu plus sur les particuliers, on essaye de faire un peu plus de marché, et puis on renouvelle le cheptel avec les pigeonneaux qu'on n'arrive pas à vendre, on renouvelle les reproducteurs. Quoi. Voilà, vous renouvelez les producteurs à la place finalement de faire un abattage et de les transformer. De les transformer, voilà. Alors vous travaillez avec des grands restaurants, hein, des chefs étoilés, dans les Vosges mais pas que, vous avez vous Oui, alors bah, dans les Vosges, en étoilé, de toute façon il n'y a plus que les Ducs de Lorraine, bon, qui est un de mes clients bien sûr depuis le début. Et puis bah, tous les... On va dire ancienne étoilée ou gastro chic, enfin gastro plus, donc comme les Jardins de Sophie, le Grand Hôtel à Gérardmer, la Canaille à Golbey. Après, j'ai encore un étoilé du côté de Kaisersberg ou du côté de Viroval en Alsace. Donc, mais oui, effectivement, c'est des belles maisons. Quoi. C'est une belle reconnaissance pour le travail que vous faites au quotidien. Oui, c'est une belle reconnaissance et puis c'est un produit qu'ils savent bien transformer. Donc, il y en a plein qui se sont fait de mes clients qui se sont fait la spécialité, donc un plat signature qu'on appelle du pigeon. Quoi, donc c'est sympa, oui. C'est plutôt plutôt positif. Alors ça représente combien de pigeons chaque année? Combien il y en a qui sont... Alors combien de reproducteurs et combien de pigeons sont abattus? Alors actuellement sur l'exploitation, je tourne avec 900 reproducteurs, 900 couples reproducteurs, ce qui me fait sortir à peu près 200 pigeonneaux par semaine. Quoi. Que vous transformez après, la part de transformation, à quel niveau La part de transformation, c'est la part, on va dire, variable, c'est ce que j'arrive pas à vendre. Donc, mais sinon, globalement, je vends sur 200, on va dire 180, et j'en garde 20 pour la transfo. Quoi. Comment ça se passe pour les nourrir, pour au quotidien? Comment se passe l'élevage de pigeons? Alors au quotidien, l'élevage de pigeons n'est pas très compliqué. Hein. Les pigeons sont autonomes en nourriture, donc ils ont une trémie, ils ont la nourriture à disposition et ils mangent ce qu'ils ont besoin. Donc chez moi, je travaille avec du blé entier, du maïs entier et un complément alimentaire, le tout sans OGM. Et puis c'est eux qui se débrouillent, ils servent. Ils s'autorégulent en fait. Voilà, c'est ça, ils se servent. Vous ne verrez jamais un pigeon obèse. Les pigeonneaux restent au nid pendant 4 semaines et c'est les parents à tour de rôle qui viennent les nourrir. Et une fois qu'ils ont 4 semaines, ils vont sortir du nid et ils vont commencer à vouloir voler. Et bah, moi, c'est à ce moment-là que je les prends. C'est là où la viande est la meilleure parce qu'ils n'ont pas encore pu muscler vraiment tout leur ensemble. Ils n'ont pas commencé à voler, donc la viande est super tendre. Et alors un conseil pour le déguster, comment vous le préférez? Moi, ce que je préfère faire en général, c'est couper les pattes et les ailes, les faire confire dans de la graisse de canard ou de la graisse d'oie pendant une petite demi-heure, comme ça ils sont bien cuits, et puis les filer juste à la poêle, 3-4 minutes de chaque côté, comme ça reste bien rouge au milieu. Et puis, une idée bien gourmande pour les fêtes. Voilà, alors si quelqu'un veut encore... Encore un doute sur la viande à cuisiner pour les fêtes. Voilà, le pigeon, c'est une bonne idée. Yannick, merci pour votre accueil ici au Colombier. Nous partons découvrir maintenant notre dernier invité à la chocolaterie Thiel. Il n'y a pas d'occasion pour se laisser tenter par un bon chocolat, mais il est vrai que les fêtes de fin d'année sont propices à cette gourmandise. Valérie Thiel nous ouvre les portes de l'atelier et la boutique spécialisée dans le chocolat haut de gamme, blanc, lait ou noir, créée par son père en 1960. Valérie, merci de nous accueillir ici. Nous sommes dans la boutique de la Maison Mère, donc à Salcy-sur-Meurthe, la boutique Thiel. Alors, vous nous accueillez en pleine effervescence. La période de Noël est une période la plus importante, peut-être? Oui, c'est la plus importante. Elle représente 50% de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment la plus importante. C'est celle qui nous permet de vivre le restant de l'année avec Pâques. Pâques qui représente, lui, 30% de notre chiffre d'affaires. Alors avec la crise sanitaire, quelle est la situation aujourd'hui de la maison Thiel? La situation, elle est compliquée comme partout. Hein. C'est sûr qu'on a déjà été confinés à Pâques, on a été de nouveau confinés là pour Noël. On espère qu'une chose, c'est de pouvoir travailler jusque fin décembre, pour pouvoir réussir à s'en sortir. Donc normalement, la maison Thiel s'en sortira. Alors, on l'a vu dans l'atelier, mais aussi ici, dans la boutique, on le voit, il y en a pour tous les goûts, hein, du blanc, du lait, du noir, fourré ou pas, c'est vraiment très varié. Oui. Bon, on essaye de faire un petit peu pour tous les goûts, hein, parce que tout le monde n'aime pas les mêmes choses. Il y a des gens qui aiment le sucré, d'autres qui n'aiment pas le sucré. On essaye aussi de faire pour toutes les bourses, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont plus les moyens que d'autres. Donc, on essaye toujours de faire un chocolat de qualité avec un prix qui reste correct. Et alors, concernant votre matière première, d'où vient-elle? Alors, elle vient d'un peu partout. Elle peut venir d'Amérique du Sud.
sud, elle vient d'Afrique. On travaille beaucoup avec des grands crus, donc on travaille avec du Pérou, on travaille avec du Madagascar, on travaille avec du Sao Tomé. On a vraiment énormément de grands crus, c'est un petit peu notre spécialité. Et les différences se font à quel niveau alors ? Par exemple, un chocolat qui vient d'Amérique du Sud sera beaucoup plus fruité qu'un chocolat qui vient d'Afrique. Enfin, un chocolat qui sera d'Afrique sera plus terreux. C'est comme si, par exemple, en vin, on comparait par exemple un Grave avec un Saint-Estèphe. Un Grave sera beaucoup plus âpre qu'un Saint-Estèphe. Et alors, ça représente combien de tonnes de chocolat par an, la maison ? Ça fait à peu près 45 tonnes de chocolat par an. Donc c'est plutôt conséquent et en période de fête, j'imagine que c'est donc le plus gros tonnage. C'est le plus gros tonnage, donc c'est 50% du tonnage de toute l'année. Donc, et pour chaque fête, vous essayez de renouveler, de proposer des nouvelles choses chaque année ? Il y a tous les ans, que ce soit Noël ou à Pâques, il y a toujours des nouveaux modèles. Il y a les incontournables que les gens veulent toujours et tous les ans, on a des nouveautés. Donc ça passe par des moulages, des choses comme ça ? Des moulages, des chocolats fins, on a eu une envie, des patinettes. Cette année, on a beaucoup de patinettes, on a beaucoup de pâtes à tartiner. Puis il suffit qu'il y ait un produit qui soit à la mode. Il y a une année, on a fait un chocolat à l'oignon parce que c'était la mode. Donc, plutôt original. Voilà, donc on fait du piment d'Espelette. C'est en fonction de la demande. Si un client nous demande quelque chose, on essaye de faire une recette. Et si cette recette convient, eh ben on la propose aux gens. Et si elle plaît, ben hop, elle rentre dans la gamme. Alors, on a vu dans l'atelier, vous travaillez donc avec des machines très précises, notamment pour faire comme de la dentelle. Mais il y a aussi toujours le travail artisanal, donc avec la main et avec des personnes qui travaillent. Oui, 90% de notre fabrication est fabrication à la main. Chaque chocolat est repris au moins 3-4 fois, un par un, à la main. Et c'est vraiment du travail très artisanal. Donc à part ces machines qui là, parce que c'est du travail qu'on ne pourrait pas faire du tout à la main. On peut faire de la dentelle en chocolat, chose qu'on ne pourrait absolument pas faire à la main. Donc c'est ce qui nous permet de faire des jolies choses, de proposer de nouveaux produits pour nos clients. Alors la maison Thiel donc date de 1960 avec votre papa. C'était une évidence pour vous de continuer, de perpétuer la tradition ? Pour moi, c'était une évidence, mais pas pour lui, parce que bon, c'est un métier très difficile où il faut donner énormément de présence. En ce moment, on travaille jour et nuit. Mais moi, c'est ma passion depuis que je suis gamine. C'est ma passion depuis toujours. Donc, pour moi, c'était une évidence. Et alors, vous avez mis en place des nouvelles choses. Il y a notamment un bar à chocolat, alors qu'on ne peut pas voir fonctionner en ce moment par rapport aux mesures sanitaires, bien évidemment. Et un distributeur. C'est important de se démarquer, de proposer de nouvelles choses. Toujours pareil, on est à l'écoute des gens. Donc, le distributeur, on avait beaucoup de gens qui nous disaient « Ah ben, on est passé, mais vous étiez fermé. » Ben oui, le soir, à 8h du soir, on est fermé. Et on s'est dit, c'est vrai que le soir, vous avez une invitation de dernière minute, il est 19h15, mince, eh ben, chez Thiel, c'est fermé à 19h. Donc, on s'est dit, ben, on est invité, on peut aller chercher quelque chose dans le distributeur. Effectivement, ça fonctionne. Et puis, une petite envie de chocolat. On a des fois des gens qui s'arrêtent à 2h du matin. Donc, voilà, une petite envie de chocolat subite. Donc, il n'y a pas de souci. Et le bar à chocolat, alors, donc, c'est un bar à chocolat chaud avec différents chocolats possibles à déguster. Voilà, oui, on a une douzaine de sortes de chocolats qui viennent justement, là-dessus, on travaille aussi beaucoup sur les grands crus pour faire découvrir qu'un chocolat chaud fait avec du vrai chocolat, c'est que du bonheur, quoi, c'est que du bonheur. Quel est le produit phare, peut-être, de ces fêtes de fin d'année ? Est-ce qu'il y en a un qu'on pourrait mettre en évidence ? Le produit phare, c'est le praliné. Le praliné, les gens reviennent vraiment au traditionnel, aux traditions. Le praliné, on a par exemple un praliné graines de courge que les gens adorent parce que c'est vraiment, on retrouve vraiment le praliné, les noisettes, le croquant. C'est vraiment ce qui est le plus demandé cette fin d'année. Et votre produit phare à vous alors ? Mon produit phare à moi, en ce moment, c'est le graine de courge. Mais je reste quand même une très, très classique. Et pour moi, j'adore la pâte d'amande. Donc, depuis des années, c'est le seul chocolat que je mange régulièrement. Valérie, merci de nous avoir partagé l'histoire de la maison Thiel. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. C'était la dernière de la saison. Je vous souhaite donc de très belles fêtes de fin d'année. Merci à Vincent et Fanny pour la réalisation de ces émissions. Et rendez-vous en 2021.